tu dragues ma sœur depuis la dernière fois que je l'ai ramenée en soirée. Ouais, mais après je peux la ghoster si tu veux. Mais tu ghostes rien du tout. Tu la largues bien en beurrant le moule. En quoi? En beurrant le moule? Tu la largues en mettant les formes et dans le respect, s'il te plaît. Ouais, tu sais quoi, en plus j'allais le faire parce que ta sœur elle est un petit peu relou, tu trouves pas? Mais t'en as pas marre d'être un sale con. Eh, je vais même pas savoir à chercher le comment du pourquoi. Venez, on boit un verre. Tu vois, ça c'est une idée. Qui veut du vin? Bah écoute-moi. Je vais ouvrir. Hey, ça va, bienvenue. À moi. On t'attendait plus pour boire. Mais oui, mais c'est ta faute, t'habites à Narnia, frère. En soi, on reste pas très longtemps de toute façon parce que Nico, ça fait déjà 20 minutes qu'il nous attend chez lui. Hein. Oui, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on attend ici? On prend un verre, et puis on y va. Bon, écoute. C'est hyper sympa ce que t'as fait avec la déco de l'appart. Merci. Tu me proposes pas de faire visiter la chose? Bah, en soi, là, il y a que cette pièce, hein, donc si tu fais un tour sur toi-même, t'auras vite fait ta visite. Ouais, j'entends ce que tu me dis. Mais pose tes affaires, là, et puis viens boire un verre. Je regarde. Louise? C'est quoi ça? Des ordous, ça. De l'étagère, là. Ça, c'est la boîte que mon ex a oubliée ici quand je l'ai mis à la porte. Ok. Tu sais pas du tout ce que c'est que cette boîte? Non, puis je m'en fous. Donc... Voilà. Y'a personne ici qui sait c'est quoi cette boîte? Non. Il est pas un peu chelou, lui. Chut. Oh, ok. Si tu pouvais avoir tout ce que tu veux dans le monde entier, un souhait, ça serait quoi? Ne pas être dans cette conversation malaisante, par exemple? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Non, mais... un truc, genre sans conséquence, il arrivera rien. Juste, t'as cette possibilité d'avoir un souhait, c'est quoi? Un nouveau mec. Or moi perso, je sais pas vous, moi je prends la mère de Luc. Ouais. Mais vous l'avez vu la mère de Luc ou pas? Non mais qu'est-ce que t'as? Attends, tu veux ma soeur, tu veux sa mère? Oui bah excuse-moi, est un petit peu famille. Écoute, sérieusement, un souhait là maintenant, tu donnes un souhait, vas-y. Bah je sais pas, bah un verre toujours plein. Ok, vas-y passe post-it et stylo s'il te plaît. Merci. Ok, écris ce que tu viens de dire là. Mets dans la boîte. Okay. Maintenant, regardez le verre. Waouh! Alors, j'entends que ça peut être décevant là ce qui est en train de se passer. Un peu. Mais normalement, il devrait pas se passer ça. Et il devait se passer quoi? Bah, normalement, le verre il devrait se remplir. Mais là, comme t'as un fond, bah, c'est oui. Peut-être considéré comme mais, plein mais déjà. Manu, excuse-moi, mais je sais pas ce que tu fumes en ce moment, mais il me faut le numéro de ton dealer. Hein, là, non, mais excusez-moi. Le gars, c'est propre à Harry Potter et un délire. Non, mais pour le coup, c'est intéressant. Toi, si tu pouvais avoir ce que tu désires le plus, tu marquerais quoi? À part sa mère. Hein. Alors, t'as pas de sœur, Luc? Et ben moi, ce serait Pamela Anderson. Pamela Anderson. Ah oui, Pamela Anderson. Non, excuse-moi, j'aime bien les vieilles, c'est tout. Et ma sœur a 23 ans. Oui, et alors? Non mais on s'en fout là, laisse-le avec son fantasme du 19e siècle et puis qu'on en finisse. Le fantasme? Attends, Luc, t'es d'accord avec moi? Un fantasme, on respecte un peu CJ Parker, s'il vous plaît. Ah, ça courait au ralenti. Et moi ça m'a excité pendant toute ma jeunesse, hein, je vous le dis. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas en fait, c'est censé marcher. C'est vrai que c'est bizarre que Pamela Anderson n'apparaisse pas comme ça d'un coup. Quelqu'un un autre vœu à réaliser là, tout de suite? Sans conséquence. Rien que dalle, pas de conséquence. Vas-y, moi je suis chaud. Voilà. On dit que Zemmour meurt et que les flics responsables de violences policières fassent un walk of shame façon Cersei. Waouh, donc t'es passé d'alerte à Malibu à Death Note en 2 secondes. Ok, déjà très bonne référence. Et ensuite de ça... Quoi, mais mec, on souhaite pas la mort de quelqu'un, c'est horrible. Ça va, c'est de Zemmour qu'on parle. C'est qui, Cersei? Alors, Cersei, c'est une mythe dans Game of Thrones à qui je montrerai bien mon dragon, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu me donnes envie de vomir. Vomir, c'est exactement ce que m'a dit ta soeur le premier soir où je l'ai rencontrée. Passe-moi le post-it. Oh, attention, Camille va nous faire la révélation, ses choix. Et alors, par contre, Camille, je suis avec ta soeur en ce moment, je suis pas trop dispo, alors fais attention. Tu vois, avec toutes les nanas que tu ramènes chez toi, eh ben, ce que je désire, c'est que tu te chopes une bonne syphilis, avec un petit coup de sida, et puis si tu peux t'étouffer aussi dans la foulée, ce serait pas mal. Non, mais on va se calmer, là. Ouais, non, la violence. Ok, très rigolo, mais par contre, on est syphilis, ce serait pas comme ça du tout. Voilà, mais ben, c'est bon, stop, tout le monde dehors, on va chez Nico, ça fait une demi-heure qu'il nous attend. Allez, ça vos vœux qui sont mauvais, c'est pas moi. Ça pas ton tour de magie, Manu, on y va. Mais d'habitude, ça marche. Oui. Voilà. Attends, j'arrive.